Nils Sau, je suis auteur rennais, même si aujourd'hui je vis à Paris. Je dessine à peu près depuis 25 ans. J'ai commencé par la Small Press, le fanzine. Et depuis quelques années, je fais des livres, disons, dans la bande dessinée indépendante. Et depuis 5 ans, des one-shots de 200 pages à peu près chez Misma. Kimi, l'idée m'est venue parce que l'été, je travaille chez des gens qui me prêtent leur maison. Une année, j'ai passé un mois et demi dans une maison au bord de la mer, dans le Finistère, à côté de la pointe du Minou. Et le chien que je devais garder, en même temps que les canards, les poulets, les oies, les lapins, s'est sauvé. On l'a retrouvé 9 mois plus tard et il était devenu le chien du restaurant juste au bord de la mer. Et comme c'était un vieux chien qui avait plus de 15 ans et qu'il était terre-neuve, il était nourri, logé, et il pouvait aller se baigner tous les jours. Et malheureusement, quand on l'a retrouvé, il est retourné dans la ferme. Et c'était la dernière fois qu'il allait dans l'eau. Et j'ai voulu raconter cette histoire-là. Et puis après avoir fait un premier épisode où je ne racontais pas vraiment ça, quelque chose d'un peu différent, j'avais changé le nom, etc. Les éditions Misma m'ont dit « c'est génial, il faut continuer ». Et donc j'ai un peu changé l'histoire. Mes pages sont toujours faites directement dans un carnet, ou feuille libre, mais dans l'idée d'un carnet. Et je prends une page blanche, format A5, et je dessine une empreinte digitale au milieu, avec des petits traits. Et à partir de l'empreinte digitale et des formes que je vois dans le papier, je dessine des feuillages, ou souvent de la nature, etc. C'est plus facile pour moi. Et je fais une page en 3 heures, comme ça. Ensuite, j'y intègre une bulle pour qu'on situe le personnage. En l'occurrence, là, c'était plus facile parce que le personnage est tellement petit que sans la bulle, on a du mal à le voir. Donc c'était un peu le principe. Et ensuite, sur Photoshop, j'enlève tous les traits de tour de case, tous les traits qui peuvent perturber le côté éthéré, parce que c'était ça l'idée du livre, un personnage fondu dans le décor. Moi, il y a 2 choses qui m'inspirent, c'est la musique punk des années 80 et la photo. Je ne suis pas du tout un spécialiste de photo dans le sens où je ne retiens pas le nom des gens, etc. Mais depuis que je vis à Paris, depuis 5 ans, je vais voir un maximum d'expositions photo et je prends des notes dans des petits carnets et je me sers de ces icônes que je vois, que je collectionne un peu dans ma tête ou sur les carnets et je les utilise dans mon travail. Ce n'est pas visible, mais c'est ce qui peut permettre de donner des pistes dans une structure qui est aléatoire. Ça me donne des éléments, des idées, de cadrage, etc. Et ça me permet aussi de mémoriser, d'avoir mon propre carnet d'admirateur de la photographie. C'est un art que je ne sais pas faire. Et je préfère aller voir de la photo que du dessin, où j'ai l'impression de voir un peu l'envers du décor, etc. Les expositions, notamment Angoulême, m'ennuient un peu. Pour cette raison, je préfère vraiment voir de la photo ou alors des films. J'aime beaucoup aussi aller au cinéma. Je ne veux pas faire de prétention ou quoi, mais je ne pense pas rater de dessin. Dans la mesure où, comme je l'ai fait de manière aléatoire et que c'est fait avec des petites hachures, j'ai largement le temps de récupérer quelque chose qui est parti pour des raisons de manque de concentration, pour des raisons d'avoir l'esprit occupé par des choses, des considérations autres, etc. Mon type de dessin fait qu'au bout d'un moment, je rentre dans quelque chose qui est proche d'un état de plénitude qui fait que j'y arrive quasiment tout le temps. Après, je ne suis pas un grand spécialiste du travail de dessin des autres. Je ne connais pas grand-chose, par exemple, en peinture, etc. Je n'ai pas fait d'histoire de l'art, j'ai un parcours d'autodidacte. Si je vois une petite musique, quelque chose qui ressemble à la musique que j'aime, dans le rythme plutôt d'un livre, d'une bande dessinée, là je considère que c'est bon. Un dessin isolé, je ne suis pas sûr d'être un expert. J'ai voulu travailler au début, pour la Small Press, avec une technique qui soit reproductible en photocopie, donc uniquement en noir et blanc. Pas les techniques en bitmap, noir, blanc, il n'y a pas de gris. Mais par contre, je ne voulais pas, après avoir lu une interview de Crumb, je ne voulais pas faire quelque chose de névrotique. Donc je fais des traits qui ne se croisent pas. Et sans le savoir, j'ai utilisé une technique qui existe depuis des siècles, qui s'appelle la technique du gris optique. Et qui, ça veut dire que quand on rapproche les traits noirs, on a du noir. Quand on les écarte, on a du gris, voire du blanc.
Et c'était utilisé pour faire des timbres, c'était utilisé pour les gravures, c'était utilisé pour les études avant les peintures, chez Rembrandt, etc. Et voilà, c'est ma technique.